départ du Trail des Résistants à Manneville-sur-Risle, petite campagne dans le 27. Je suis avec mon duo d'ultra de là cette année. Vous risquez de le voir un peu souvent sur mes vidéos. Et voilà, donc on part sur un trail de 30 km avec 700 D+. Donc un petit trail où ça risque de bien grimper et de bien descendre assez souvent. Et il fait beau, donc ça c'est cool. Parce qu'après la semaine de neige, c'était pas gagné, mais il fait beau. 3, 2, 1, parti! Premier trail! Bravo à tous! En duo! Et on va rappeler Nico! Oui, il y a Nico! Il y a Richard! Il y a Richard! Ah, on est bien! Avec nous, ça a sa potion magique! Avec sa potion magique! Je suis essoufflé là. Moi aussi. On arrête. Ouais, vas-y, on marche. Ah, non, ça grimpe, on marche. Ouais, moi aussi, je suis mort. Oh, c'est l'altitude. Je kiffe les trabucos, moi. Mais sur les autres. C'est rigolo de derrière, en fait, surtout. Nous sommes en testing ASICS Trabuco sur Seb. Bah ça marche pas. Ça marche pas. Au-dessus de 52 kg, il croche plus. C'est ça. Fallait voir le poids du coureur en fait. Bah 80. Donc là il croche plus vite. C'est la merde. On est à quel kilo là? On est au... Ouais, quasi 5. Quasi 5. Et en fait tout va bien. Et trail boueux, trail heureux. Vas-y. Sauf que là, Seb, il a... Très et Seb, il a pas pris des chaussures qui accrochent. Ah bah tiens, vas-y, refais-nous des petits pas de danse. Bon, 27ème kilomètre, on est bien. On est bien, c'est un bien grand mot, t'es chié toi. Si, on est bien. Ouais. Arrête, non, on est bien. Non, on tombera pas. Non. Je vais pas aller me salir le tutu, moi. Non. 1, 2, 3. Thank you.
cherchait le dénivelé, je pense qu'on l'a trouvé là. C'est tout ça pour prendre du dénivelé quoi. Bon, on vient de là et ils nous ont fait grimper là-haut. Bon, on est au 18e kilomètre. Première chute. Baïseb qui a bien choisi ses chaussures. Acheter Trabuco. Acheter Trabuco. Ah, c'est ça. Pour faire la danseuse dans la boue. C'est un peu chic quand même. Oh, de la merde. Non mais en fait je me suis pas arrêtée pour qu'on marche, je me suis arrêtée pour te faire, tu vois... J'ai déjà ma chute. Ah. C'était belle. Tu t'es fait mal? Non, vraiment c'est tellement doux. C'était doux? Bah ouais. En fait tu chutes mais vraiment en douceur quoi. ta chute est doux. Doux. On a fait les deux tiers. C'est bien de dire ça comme ça. 21. Ah ouais. Et 21, 2h45. Donc, alors Seb, c'était quoi le truc? Attends, là on a fait 21. On a fait 10 km en 1h20. Ouais, on va faire 20 km en 2h40. Voilà. Et si ma calcul est bon, on va faire 30 km en 3h60. Donc on sera en dessous des 4 heures. On sera en dessous des 4 heures. Ouais. On a dit moins de 4 heures. Ouais, il y aura 40 minutes d'écart. Donc, Alors, 23e kilomètre. Et donc? Tout va bien. Tout va bien? Oui. Bon. D'ailleurs, on s'est dit qu'on allait peut-être le faire deux fois le... Ou pas. Le moins de 4 heures est peut-être jouable si on arrête de toucher la bise. Petite vidéo avant notre arrivée. Ouais. C'est bon, attends, ça c'est... On a fini. En moins de 3h60. Oui, attends, notre vieux pote quand même. Bah, qu'est-ce qu'on fait d'après toi? Ouais, mais on est obligé de se mettre un peu devant pour faire l'IF parce que sinon on ramperait. Ouais, c'est vrai. J'avoue que t'es un pote. Parce qu'il dit je suis mort, je marche, mais il est quand même derrière. D'ailleurs, bon, j'ai arrêté de prendre, puis il commence à bien pousser. Ouais, bon. Je vais m'arrêter, puis après c'est passé. C'est comme ta fiole, c'est tout. Oui, je m'en fous, voilà, parce que j'ai toujours rien à branler. Tu peux traiter tout ce que tu veux, ce que je veux, c'est arrivé. Ça y est, alors, il faut savoir que le Seb, fatigué, est mauvais. Mais non. Mais... Et vulgaire. Mais il sent la choucroute et la bière, donc il se détend quand même. C'est ça, en fait. Il reste combien de kilomètres? Deux, 10, 20, je sais pas quoi. Toujours quoi? Deux. Impeccable. En fait. On va arriver là-haut, on recourt et le dernier kilomètre en folie. Ouais. Ça, je... Non? Non, tu fais le dernier kilomètre en folie avec et nous. Et deux en un quart d'heure, c'est chaud, ouais. Puisque 10 km/h, ça fait 16 minutes. Hein. Ouais. Non, ouais. Ça fait 12 minutes, pardon. Ouais. Excusez-moi. Du coup, c'est jouable, mais il faut pas traîner. Faut pas traîner. C'est que 3h60 ou 4h, je m'en branle complètement. Non, faut faire moins de 3h. On a dit moins de 4h. Donc si on fait 3h60, même 3h65, c'est toujours moins de 4. On a toujours au moins 25 d'avance. T'es trop fatigué, t'es plus compté les heures. Bon, allez, dernier kilo, motivé à bloc, moins de 3h60. C'est parti.